en consommant l'hypercellule. Regarde, un hyperdrive. Le statut de préservation de l'hypercellule est bon. Bon. Fais attention maintenant. Tu devrais rentrer. Je vais préparer le tétrapode en attendant ton retour. Hein ? Attends. Il y a un héritage ici. Un héritage ? Qu'est-ce que c'est ? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. Ils fournissent des informations importantes pour le prochain escadron. Je vois. Mais pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici ? Ils savaient peut-être des choses sur l'Alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Jour 8 après la seconde plongée. Troisième enregistrement. Héritage de Raven. Survivant Ripley et Inès. Inès va vraiment mal. À ce stade, il est très probable qu'elle meure. Nous avons découvert ce laboratoire à 4,47 km du point d'atterrissage. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naitiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a eu une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés. Les fameux Androeidos. Les humains ont perdu contre leur propre création. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans des complexes souterrains, mais c'était loin d'être la fin. Cependant, un élément inattendu a changé le cours de la guerre. Alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Naitiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, ont fait irruption. La guerre contre les Naitiba a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naitiba. J'espère finir par trouver le Naitiba ancestral au point d'origine. À quiconque regardera ceci, que la matriarche te bénisse. J'ignorais qu'un tel enregistrement existait. Et il y a eu une autre grande guerre avant la dernière guerre. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la colonie. Tu en penses quoi, Adam ? L'histoire de l'humanité est entachée par la guerre. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Mais quand même, c'est étrange que ça n'ait pas été transmis. Je vais récupérer l'héritage et partir. Attends, Eve. Je vais te récupérer avec le tétrapode. Ok, je t'attendrai. Oh,
comme prévu. Mes yeux ne m'ont pas menti. Excellent travail, Adam. Accorde-moi encore une faveur. Allons à l'hyperdrive. Injection d'énergie, réacteur secondaire. Activation initialisée. Waouh ! Ça a l'air plus lumineux. Oui. Ce que nous faisons est important. Encore une fois, merci. C'est à votre tour. Attends. Il va te répondre. Il y a une station d'épuration et un cimetière ferroviaire dans le vieux centre. Je capte les fréquences d'un Aitiba Alpha en provenance de la Matrice 11. La Matrice 11? J'envoie les données cartographiques au Tétrapode. Elles te guideront pour que tu atteignes le lieu où se trouve le Aitiba Alpha. Merci de nous aider. Ce n'est pas rien. Rien de tout cela n'est comparable à ce que vous avez fait pour Xion, je vous assure. Bonne chance. La ville semble différente. Je vois plus de monde, plus de panneaux. Je vous l'avais dit, ce qu'on a fait en valait largement la peine. Je pense que les gens ne devraient plus nous regarder de travers à présent. C'est rassurant. Pour être honnête, ça me stressait un peu. Je retourne vers le Tétrapode. Peut-être devrais-tu prendre le temps d'apprécier ces changements. L'ange ! Les pillards ont pris ma sœur ! Je t'en prie, sauve ma sœur ! Où sont les pillards ? Là ! Dans la ruelle ! Attends ici. De t'appeler l'ange parce que tu viens de la colonie. Ne sommes-nous pas des êtres humains, aussi? Pourquoi devons-nous fouiller les déchets et nous cacher des nœuds qui bas pour survivre? Pourquoi? Mais tu ne savais pas que... Eh bien, en fait... Vous étiez tous de véritables anges. Il y a de nombreux trésors, mais rien d'aussi précieux que les matériaux dans vos corps. Avec un corps aussi sophistiqué, tu vois ce que je veux dire? Eh bien oui, ça ferait du bien d'entendre un petit merci de temps en temps. Eve, est-ce que ça va? Concentre-toi sur moi, tu vas y arriver? Adam... Les trafiquants, je ne pensais pas qu'ils toucheraient aux membres d'un escadron aéroporté. C'est impossible. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les Naitiba ne représentaient peut-être pas la seule menace, finalement. Nous devrions retourner au repère. Nous avons de la maintenance à faire.
Eve, t'es là. Regarde par ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, ceci est un détecteur de signal alpha. Il utilise la résonance subtile du noyau alpha pour trouver sa localisation. Ça ne marche pas à super longue distance, mais... tu le trouveras utile quand tu iras à l'emplacement dont Orcal t'a parlé. Waouh, bien joué. Tu vas finir par me voler mon travail. Je croyais que tu n'en avais déjà plus. Petite peste. Merci de m'aider toujours et encore, Lee. Attends, autre chose. Tu veux bien te retourner? Là, fini. Tu as fini quoi, Lily? J'ai revu la distribution d'énergie de la cellule corporelle. Ton corps te semble plus léger? Ça me semble vraiment différent. Si t'essaies de sauter, tu devrais remarquer la différence. Bon, tu es prête à partir? La matrice 11 est un complexe souterrain. Le périmètre de recherche est vaste, donc prépare-toi bien. Les préparatifs sont terminés. Enfin! On dirait qu'il est temps de tester le détecteur de signal alpha. Oui. Et s'il fonctionne comme prévu, tout devrait être plus simple. D'accord. Laisse-moi te guider à la matrice 11. C'est un vieux bâtiment. Plus grand chose ne fonctionne. Un complexe souterrain. Est-ce une sorte de bunker? C'en est devenu un, oui. Mais avant, c'était une station de métro. Le métro formait un réseau permettant aux citadins de se déplacer. Enfin, ça, c'était avant. Bon, allons vite chercher ce noyau alpha. Lily, tu localises le noyau. Un instant, s'il te plaît. Je reconstitue les données cartographiques. Je vais commencer par entrer. Attention! Cet endroit est ancien, son intégrité est sûrement compromise. Attends. J'ai entendu quelque chose. Derrière! Le Naïti va utiliser un cadavre comme hôte! Waouh,
Je n'avais jamais vu un Aitiba utiliser un cadavre comme hôte. On va sûrement rapidement en croiser d'autres. Je n'espère pas. Hein, Eve ? Ah ! Une embuscade ! Ils ont lentement pris possession du train. Eve, récup des données cartographiques, ok. C'est super, mais la route a disparu. Le signal du noyau provient du chemin, là-haut. Trouvons un moyen d'y monter. Attends, tu vas vraiment y aller? Tu es sûr de toi? Une erreur et c'est fini. Ça va aller. Eve, quoi que tu fasses, ne regarde pas en bas. Oh, allez! Il y a une corde. J'ai un mauvais pressentiment. Il n'y a pas d'autre chemin. Reste près de moi. Ça s'effondre. Assez de sensations pour aujourd'hui. C'était moi une. Merci. Waouh, un merci pour moi. Parce que de m'y habituer. C'est le cimetière ferroviaire. Oh, une autre secousse. Allons-y. Attends, attends, doucement. C'est dévasté. L'époque où Xion était peuplée me manque. Hip, hip, hip.
ça, là-haut? Oui, j'ai entendu. Prépare-toi. Signal d'un noyau venant du dessous. Je crois qu'on va devoir prendre un raccourci par les égouts. Encore des égouts. J'aimerais éviter de finir trempé. Le réseau de transport a été construit au-dessus des égouts. Si ça ne te plaît pas, on peut trouver un autre chemin. Qu'est-ce que c'était ? Ce bruit, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que ça vient du réseau de l'escadron aéroporté? Les Naitiba ne devraient pas pouvoir pirater les lignes de communication. Hein? Ce son et le signal négatif du noyau Alpha sont identiques? Bon sang. Il se passe quoi ici exactement? C'est à nous de le découvrir. Faisons vite. Cet endroit... Waouh, cet endroit a l'air complexe. On va devoir utiliser ce monte-charge pour monter et atteindre la sortie. Comme je le pensais, des groupes de survivants se sont installés ici. On voit bien que cet endroit a été abandonné il y a longtemps. C'est fait pour honorer les morts. Ils attendent encore le salut que la matriarche leur a promis. Bon sang. Je vais envoyer les souvenirs laissés ici à la matriarche. C'est là qu'ils devraient être. Je vais t'aider. Moi aussi, moi aussi. Merci, tous les deux.
Continue. Quoi ? C'est un piège ! Ici ! Ah ! Ah ! Tout va bien ? Ça va. Bon, Eve, cours! Aimez les défis. On est vraiment proche du signal Alpha. On dirait que le Nightiba Alpha est juste en haut des escaliers. Eve, regarde ça. Un héritage du 2e escadron aéroporté. Qu'on le regarde. Peut-être qu'on va enfin résoudre le mystère de ce dernier héritage. Attends un peu. Le lancer ici risquerait d'attirer les autres Nightiba. Ne t'inquiète pas, on pourra consulter l'héritage après avoir récupéré le noyau Alpha. Pour l'instant, concentrons-nous sur le combat contre le Nightiba Alpha. Je vais te garder. On y va. C'est quoi cet endroit ? C'est un ancien système de purification de l'eau. C'est lui la source de la contamination. Oui, on y est enfin. Attention, quelqu'un est suspendu en l'air. On dirait un être humain, il a l'air vivant. Que doit-on faire ? On doit le sauver de la contamination ! C'est quoi ce bruit ? Impossible. Tashi. Comment as-tu atterri ici ? Signal Alpha s'intensifie. Eve, c'est un Nightiba Alpha. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. Ah!
Ça s'effondre, attention!